dans cette période, vraiment, où le féminisme est sur les lèvres de tout le monde, où les femmes obtiennent tout, même des présidences de gouvernement, comment se fait-il que les femmes n'ont pas et n'aient pas réussi encore à annexer le Père Noël? Il n'y a pas de Mère Noël. Alors je me suis dit, bon, Yvette va venir, je lui pose la question, pourquoi les femmes n'ont-elles pas annexé le Père Noël? Eh bien, j'ai un petit peu réfléchi à ce problème déjà. Je pense que le Père Noël est une création très typiquement masculine, Antoine. Et que c'est peut-être pour ça que les femmes ne l'ont jamais revendiqué. Ce personnage qui punit d'une main, qui au contraire fait des cadeaux de l'autre, qui aime bien faire peur, qui établit au fond des espèces de rapports de force avec ses pauvres petits-enfants qui sont très souvent terrifiés par ce Père Noël. Eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose d'assez typique de la civilisation masculine. Et que jamais les femmes n'auraient l'idée d'un personnage comme ça. Je crois qu'une Mère Noël, si elle existait, elle serait totalement différente.